Alors là, on est au Jardin Saint-Paul pour la fête de la famille qui est organisée par le REAP, le réseau d'écoute et d'appui à la parentalité du Narbonnais. Le comité local organise cette action commune. On essaye d'en faire une tous les ans et cette année, on a décidé de faire une fête pour toutes les familles avec des jeux sur la thématique du jeu. Donc voilà, toutes les associations et les institutions sont là pour passer un après-midi. On va essayer de proposer différents services pour pallier à tous ces besoins-là qui pourraient être de la scolarité, de l'accueil de loisirs, des problématiques familiales. Donc il y a aussi l'association Les Pâtes au Beurre, il y a tout ce qui concerne la petite enfance avec la PMI, le service santé ville et le service enfance jeunesse avec le programme de réussite éducative. Vraiment, on va balayer un peu tous les besoins des parents du petit âge jusqu'au plus grand âge. C'est pour tout le monde au final. Après, même nous, comme ils ont dit, on peut jouer, on peut. Voilà. Après, c'est bien pour les enfants, le jeu, ça, on va dire, ça les stimule à voir autre chose que les jeux vidéo, quoi. Ou la télé, ça fait du bien, quoi. Alors, c'est pas que mauvais les jeux vidéo. Moi, pour le moment, je vois que le négatif. Rester devant dans l'écran, c'est pas joué pour moi. Tu joues avec tes enfants? Oui, bien sûr. À quoi vous jouez? Après, on joue à tout, à trap-trap. Alors, trap-trap, c'est quoi? On se touche, genre on fait le loup. D'accord. Et là, tu joues À la maison. À la maison, oui. À l'intérieur ou à l'extérieur? Ça dépend. Ça dépend. Après, on joue un peu à tout, quoi. Ah. Aux cartes. Et quand tu joues à trap-trap, tu les laisses gagner ou? Bah, forcément, obligé. Hein. Pourquoi? Ah, parce que c'est mes filles. Je les laisse gagner. Ouais. Ça, c'est des râleuses, les miennes. On les reprend? On va les chercher, on les remet dans le sac pour voir. Allez. Allez. Allez, viens. Merci, Aïlène. Sors, Yves, viens. Je pense que c'est aussi bien les monstres, la couleur, et le fait de devoir jeter, ils se mettent un petit peu, ils se prennent au jeu. Parce que je pense qu'ils sont en capacité de juste de prendre et de jeter. En même temps, certains nous ont dit pourquoi on n'a pas mis de points, parce qu'il y a plusieurs trous et on n'a pas mis les points. Mais en même temps, c'est pas une compétition, c'est juste pour s'amuser. Et alors? Ah, j'ai mis pas mal, hein. Les jeux sont une activité très pédagogique et on peut faire beaucoup de bien socialement, surtout avec des personnes isolées, des personnes qui ont des difficultés pour s'ouvrir aux autres. Et en jouant, on peut faire tomber les masques et les barrières aussi. Donc je pense qu'il faut jouer beaucoup plus. Mais encore, encore. Mais tu triches. Ça m'oublie pour que j'entende pas le mot tricheur dans votre partie. Pourquoi ils aiment jouer? Parce que déjà c'est des enfants et ensuite ils prennent plaisir à jouer. Ils découvrent des choses, quand ils sont tout petits comme ça, ils apprennent à manipuler, ils apprennent à avoir la défaite aussi. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à tous les coups. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est de découvrir en fait, à travers les jeux plusieurs sens de la vie. Voiture. Trèfle. Trèfle. Dinosaure. Arbre. Feu. Feu. Mais. Ciseaux. Mais c'est pas lui. Quand il n'y a plus de cartes au milieu. Soleil. Des cadets. Cœur. Électrique. Ben, faut trouver la même image et dire le nom de l'image, puis après le pro. Et comment ça se fait qu'elles perdent les filles? Moi j'ai un. Ben, ils n'ont pas ils ont pas l'œil attentif. Et qu'est-ce que c'est qui vous plaît dans le jeu? Et ben, moi c'est. Je gagne tout le temps. Moi, c'est tout. Moi, c'est que je gagne tout le temps. Et quand tu perds, alors? Mais je perds pas. Moi, c'est de jouer avec quelqu'un d'autre qui me plaît. Tu aimes bien jouer avec des grands? Oui. Bah, c'est plus passionnant parce que comme je suis un peu fort, avec des petits, j'essaie de me retenir. Avec des gros, c'est au contraire. C'est eux, ils se retiennent. Ils se retiennent? Qui c'est qui se retient? Mon père. Ton père, pourquoi il se retient? Parce qu'il est très fort. Allez alors, positionnez. Ben, il me laisse des fois gagner, des fois non. Des fois, il fait exprès. Et alors, qu'est-ce que tu lui dis?
Ben, je lui ai dit bien joué et je lui ai dit si on peut en refaire un. Ah mais non, le nul. Est-ce que tu es content qu'il te laisse non, gagner? Est-ce que tu préfères gagner par toi-même? Je préfère gagner par moi-même. Ça va très bien la marre. Et c'est toi qui as gagné. On participe presque toujours avec les ateliers que Narbonne elle propose sur Narbonne, sur la ville de Narbonne, avec le centre, beaucoup avec le centre social de Nelson Mandela, avec l'équipe, on fait plusieurs ateliers là-bas aussi pour le bébé et pour elle aussi. Atelier musique, atelier signe, atelier cuisine, pâtisserie. Beaucoup. Ouais. Mais en dehors du centre, vous jouez aussi, chez oui, vous, oui. À la maison. Oui, oui, on essaye de faire les jeux de société, beaucoup le foot, le piano, la flûte, ça, parce qu'il y a le conservatoire. Ah, ouais. C'est pas grave. Oui, ben là, on fait le et les enfants de maintenant, ils demandent beaucoup de choses. Ah ouais, ouais. Attends, maman. Oh non, pas aujourd'hui. Hein. Oh non. Et vous, enfant, vous, à quel type de jeu vous jouiez? Vous, enfant. Vous, quand vous étiez enfant? Non, si, à l'époque, il n'y a pas les tablettes, la télé, les trucs. On joue en bas beaucoup. Et c'était quel jeu avec alors? Avec les voisins, les voisines, le foot, la marraine, le cache-cache. Chaque équipe elle a une couleur. Ça, on a passé des moments agréables par rapport à cette génération. Ouais. Ah, vous pensez qu'il passe des moments moins agréables? Moins. Pourquoi? Parce que toujours, ils demandent de changer le jeu, une autre activité. Déjà, elle fait le programme pour le week-end. Maman, ce week-end, on fait ça. Le prochain week-end, on va faire ça. Le week-end passé, elle est partie au cinéma avec le papa l'après-midi. Après, le lendemain, elle est partie à la plage. C'est toujours, il y a des trucs. Hein. Nous, on est dans la simplicité avant avec les papas. Ouais. On n'a pas beaucoup de jouets comme eux maintenant, mais on est dans la simplicité, on joue bien, on participe bien. Ils sont plus exigeants, quoi, les enfants. Ah oui, de maintenant, bon. Quand il aura fini, ouais. Et regarde, moi je fais le même avec toi, mais en plus petit, regarde. Moi, il est plus petit, le même. Ah, moi, toi, tu prends le plus petit, moi, le plus grand. Ok. Ouais, tu peux aussi. Ah oui, il fait moins de bruit, celui-là, parce qu'il est plus petit. Tiens, il faut que tu remettes... Vas-y. Ouais, c'est ça. Ouais. Attends, regarde, pas besoin de dire. Hop, tu le mets monter tout en haut. Regarde, voilà, et là tu peux tenir. C'est bon, tu le tiens? Non, comme ça. Voilà, comme ça, c'est très bien. En fait, il faut que tu comptes là. Tu les connais bien ces gamins? Ouais. Oui, ils fréquentent le centre social à l'aide aux devoirs et aux activités le mercredi après-midi. Tout à l'heure, tu as dit, ouais, c'est trop facile. Si c'est facile le jeu, tu... Ben, je veux jouer à notre jeu. Ben, il y a puissance 4. Il y a aussi les échecs. Les échecs. Il y a ce jeu aussi que j'aime. Et après, ben, je crois que c'est bon. Et t'aimes, il faut absolument que tu joues avec quelqu'un et que tu le gagnes ou... Si tu perds, comment ça se passe? Ben, je laisse la place à quelqu'un. D'accord. Et tout à l'heure, tu as dit que c'est trop facile. S'il est facile, le jeu, c'est... T'as pas envie de jouer ou... Est-ce qu'il faut qu'il soit dur pour toi, le jeu? Ben oui. Ah ouais, il y a que là qui a deux lampes. Ouais. Je savais pas qu'il y avait ça et du coup maman elle m'a dit hier demain après-midi on va au parc et voilà parce qu'il y avait des activités. J'ai joué au jeu du planning là-bas. Genre t'as des cartes, ouais. Te poses des questions et tu dois retrouver le bonhomme. Il était dur ce jeu. Et après, le téléphone, le... Ah ouais. Tu joues ou tu joues pas?
Ben, j'y joue. Hein. Maman, elle me dit pas plus que... combien déjà? Mais pas quand il est vraiment très tard et voilà. Les jeux de vidéo, bien évidemment, mais bon, pas que. Après, c'est vrai que pour être maman d'ado, personnellement aussi, peut-être à l'adolescence, ils vont préférer voilà, des jeux d'extérieur, peut-être des trampolines, une partie de tennis, des jeux peut-être qui leur permettent de s'extérioriser, des sports collectifs. Quand j'étais gosse, quand j'avais l'âge de mes filles, ça m'arrivait de jouer pareil au ballon, ça dépend. Et les jeux vidéo, tout ça? Ouais, après oui, ça oui, j'ai joué à la GameCube, à la Xbox, à la Super Nintendo. Suivant, les soirs. Une pièce. Et moi, les soirs, il y avance aussi. Une casse. Oh, c'est parfait! Parce qu'il avait un trésor là. Il chope tous les trésors. La ludopédagogie, c'est une école de pédagogie très puissante en Amérique du Sud. À la base, elle est apparue dans un contexte de dictature où certaines choses ne pouvaient pas. C'était pas possible d'exprimer certaines choses ouvertement parce qu'il y avait une censure, etc. Donc les gens essayaient de détourner, d'aborder certains sujets, certaines problématiques, mais d'une manière qui n'était pas détectée, disons, par tout cet appareil de surveillance sociale qu'il y avait à l'époque. Et ils ont décidé d'utiliser les jeux. Mais après, ils ont découvert, ils ont appris que la ludopédagogie avait un potentiel qui était au-delà du politique, que c'était de la psychologie, dans le travail, le développement personnel, comment affronter certains problèmes personnels. Alors, c'est vaste, c'est un sujet vaste, mais disons que c'est une approche en douceur pour travailler certaines difficultés personnelles ou sociales d'un individu. En jouant, on peut le faire, on peut le travailler. Et autour du jeu, on voit tellement de choses. Qu'est-ce qu'on voit? On voit son caractère, déjà. Donc... Par exemple? Ben on voit s'il est patient, s'il va être patient. Bon, après, quand ils sont tout petits, ils ne restent pas trop longtemps sur le même jeu. Ça, on est d'accord, mais... Après, on voit beaucoup de choses. On voit la joie, on voit ceux qui sont mauvais joueurs, on voit plusieurs particularités du caractère de l'enfant. Et je sais pas, c'est un moment de partage avec lui qu'il faut profiter un maximum parce que plus ils grandissent, moins ils veulent jouer avec nous. Moi, je me rends compte par rapport à mon deuxième enfant qui a 12 ans, bientôt 12 ans, il n'a plus envie autant qu'avant de jouer avec moi. Donc je profite au maximum de mon dernier qui n'en a que 3. Vous avez joué, vous, dans votre enfance? Vous vous souvenez? Mais c'est-à-dire que les jeux, pendant l'enfance, c'était différent. On jouait plutôt dehors avec les amis, avec le ballon, c'était pas trop les jeux de société, contrairement à maintenant, et encore ça se perd je trouve, parce qu'avec l'évolution actuelle, maintenant c'est beaucoup la technologie, et c'est très malheureux, parce qu'il n'y a plus le contact, c'est-à-dire que des enfants, ils vont jouer à un jeu technologique, on va dire, à distance, donc il n'y a plus le lien enfant-enfant, et pour moi c'est très malheureux, quand je vois la situation actuelle. Les jeux, c'est justement une des activités les plus fédératrices qui existent. Et il est très très lié au développement de l'intelligence, de toutes les intelligences. L'intelligence sociale, l'intelligence mathématique et spatiale. Les enfants apprennent lorsqu'ils jouent. Et les adultes aussi, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas lorsqu'on devient adulte. Sauf qu'on oublie. On oublie que jouer c'est important, on dit non, jouer c'est pour les enfants, ça sert à rien. Et c'est une grave erreur, parce qu'on peut jouer, c'est une des rares activités, on peut mélanger des gens qui n'ont des différentes tranches d'âge, des différentes origines, des différentes cultures, même des gens qui ne parlent pas la même langue, et tout le monde peut s'amuser. Donc c'est extraordinaire comme activité fédératrice. Tu viens faire quoi, toi? Je vais faire un chat. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, elle va me faire un chat.